Que les ténèbres soient chassées de la vie de quiconque reçoit cette vidéo. Que les ténèbres soient chassées du lieu où cette vidéo est jouée. Que les ténèbres soient chassées de la vie de quiconque souffre et est malade. Que les ténèbres soient chassées de toute nation. Que les ténèbres soient chassées de toute famille. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je proclame la gloire de Dieu. Je proclame que vos familles se donnent au Seigneur. Pour là où tout le monde n'est pas encore converti. Je proclame qu'il y a le réveil spirituel dans vos nations. Je proclame que la guerre dans le monde, dans ces différents pays, s'arrête. Je proclame le règne de Dieu. Je proclame la gloire du ressuscité. J'appelle à l'existence le réveil spirituel. J'appelle à l'existence la connaissance de Dieu. J'appelle à l'existence la prédication de l'évangile. Que le salut soit prêché aux nations. Que le salut soit prêché dans les familles. Que le salut soit prêché partout où les gens ont besoin. Nous proclamons que son règne vienne, le règne de la vie, le règne de la vérité, le règne du salut, le règne de la guérison. Jésus, Jésus le salut de Dieu pour l'humanité, Jésus la résurrection, Jésus la vie éternelle, Jésus la lumière du monde, Jésus le salut, Jésus, il est mort pour que nous ayons la vie, il est la victime expiatoire. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez Jésus. Recevez Jésus. Recevez le Seigneur. Ouvrez vos cœurs, recevez l'évangile. Ouvrez vos cœurs, recevez le salut de Dieu pour l'humanité. Ouvrez vos cœurs et que les jougs soient brisés. Que toute malédiction dans vos vies soit brisée. Que toute œuvre satanique soit brisée. Que tout esprit de mort soit chassé. Que toute prison qui vous enfermait soit ébranlée. Les fondements ébranlés. Que toute prison qui enfermait vos grâces soit ébranlée. Recevez la vie. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance qui libère. Recevez la puissance qui délivre. Le feu de Dieu contre toute chaîne, tout lien dans vos vies. Toute limitation, toute barrière invisible est brisée, brisée, brisée au nom de Jésus. Entrez dans vos territoires, entrez dans vos grâces, entrez dans vos bénédictions, entrez dans vos bénédictions, entrez dans vos mariages, entrez dans votre santé. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malade. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre, pour qu'on croupisse entre les mains des maladies. Christ est venu. Il a payé pour nos fautes. Nous avons aujourd'hui le pouvoir d'être en bonne santé. Recevez la santé. Recevez la guérison contre toute maladie qui vous afflige. Toujours sur vos familles à l'instant où vous recevez cette vidéo. Maintenant, ces jougs sont brisés. La mort est chassée de vos vies. La tristesse est chassée. La lourdeur est chassée. Les divisions, les mésententes. Maintenant, je proclame la guérison. Je proclame la paix. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la lumière divine. Que son règne vienne. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Recevez la vie. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez la délivrance. Recevez la paix du cœur. Que le Seigneur vous console de toute affliction. Quel que soit ce qui ne va pas, levez les regards. Lève les yeux vers Dieu. Il règne au siècle des siècles. Il t'a aimé avant que tu ne naisses. Il t'a aimé avant que tu ne saches qui tu es. Dieu est réel. Dieu est réel. Sa parole est la vérité. Dieu est réel. Il nous a aimé le premier. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il a pour toi un projet de bonheur. Il est Dieu. L'Éternel t'aime. Jésus a payé pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Jésus a payé pour que tu sois en bonne santé. Jésus a payé
pour que tu te portes bien. Jésus a payé pour que tu aies une vie merveilleuse. Jésus a payé pour que tu reçoives le salut éternel, la vie de Dieu, cette vie qui ne meurt pas parce qu'elle a vaincu la mort. Christ t'aime. Reçois-le en ce jour. Ouvrez vos cœurs et recevez Jésus. Ouvrez vos cœurs et recevez l'évangile. Ouvrez vos cœurs et recevez la vie éternelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu souffres. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions sur la terre. Car Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il nous a créés par bonté. Il nous a créés par amour. Il a mis tout sur la terre. Ensuite, il a créé l'homme. Il nous a créés pour le représenter. Et il nous a donné notre lieu où on devait être roi sur la terre. Par le péché, nous nous sommes éloignés de Dieu. Par le péché, nous avons été errer ailleurs, ça et là. Mais aujourd'hui, Christ est mort et il est ressuscité. Il a payé pour nos fautes. Il est monté vivant au ciel. Christ est monté vivant au ciel. Et il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les peuples. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette prière, sache que Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce qui t'afflige, quel que soit l'état dans lequel tu es, même si tu es malade, même si on t'a annoncé qu'il n'y a plus de solution pour ce que tu vis, sache que Dieu t'aime et qu'il est le Dieu des cas impossibles. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Accepte seulement de lui adresser cette prière. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur, je viens à toi. Accepte-moi, lave-moi et restaure-moi. Repositionne-moi, donne-moi ta vie, donne-moi la vie éternelle. Désormais, je suis ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Tiens-moi par la main et guide mes pas. Je veux marcher après toi. Je veux que tu sois avec moi. Alléluia. Il y a notre contact, prenez-le. Abonnez-vous à nos chaînes pour recevoir la vie. Pour recevoir la parole tous les jours. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur YouTube, c'est La Moisson TV.